France. Vito. C'est le maire. Bonjour. C'est un petit boxeur. Mais là, il passe en numéro 1. Ça va bien? Salut Thierry. En fait, on est invité par un dirigeant parce qu'on a gagné un jeu. Ah, c'est le club de gagnants. Et alors, je suis promis une erreur. Hey, je l'ai oublié. Ah oui. Alors, ça va bien? Ouais, ça va bien. Hello. Regardez. Vous êtes très bien. Elle peut sourire. Hein. Merci. Tu m'as dit oui la semaine. Tu l'as dit ou non? Merci les gars. Merci. Ça va, non? Voilà, super. Comment on se met le maire? Bonjour. S'il vous plaît. C'est particulièrement les deux premières à l'instant, deux premières récompenses pour nos deux magnifiques représentantes. On va passer le Maël Latra, s'il vous plaît. Aux applaudissements, merci beaucoup pour Maël Latra des États-Unis. Elle y représentait, elle, la magnifique équipe des Pays-Bas. Et Anouk Becker, merci les cheveux. Madame Nicolas, s'il vous plaît. Merci. La première, bravo, monsieur Cédric. Merci de la société MG Promotion. Cédric Gonzalez, notre partenaire. Avec Andy Delors, 14 buts la saison dernière, mesdames, messieurs. Andy Delors. Un petit mot d'Andy Delors. Andy. Le club et toutes les personnes qui m'ont aidé à avoir ce trophée. Et surtout Flo. Vous avez aussi passé le CIC. Et vainqueur de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations avec les voilà. Le président Laurent Nicolet, nous regardons jeune exemplaire, je vous le disais, mais à tous les niveaux. Mesdames, messieurs, je vous demande une standing ovation pour monsieur Vittorino Hilton. Un petit message après les photos. Il serait peut-être bon de voir nos amis que vous ouvriez le petit paquet qui vous a été aimablement tendu. Voilà. Première mondiale. Vito. Ah, c'est bon ça. Moi j'aime jouer pour moi. Alors c'est un hydratant anti-âge. Parfait. Merci infiniment, Vito.
Bravo. Merci à tous, chers amis, que cet agréable moment perdure et continue un petit instant en votre compagnie, tous ensemble, ici au Massin Gabriel. Allez-y, allez-y. Hein. Je suis preneur. Il y a quelques incertitudes encore. Est-ce que vous, à titre personnel, Laurent, vous souhaitez la présence de supporters Limoges? Je souhaite ou je ne souhaite pas, ils ne sont pas. Donc, ce que le préfet a dit non. Donc, à un moment donné, c'est des questions qui ne servent à rien. C'est acté, c'est fait. Bon, je ne suis pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. Mes supporters n'étaient pas l'année dernière à Nîmes et c'était regrettable. Après, je n'ai pas commenté des faits qui sont. Après, je pense que. Enfin, se poser à un moment donné les bonnes questions, où on interdit tous les déplacements et au moins comme ça c'est réglé et il n'y a plus de supporters adverses à l'extérieur, ou alors on autorise tout le monde et on met les moyens qu'il faut pour que les gens puissent venir au stade, voilà, tout simplement. Après, c'est pas un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, mais ça c'est un peu, je pense que c'est la France, c'est la politique française, c'est un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est oui, peut-être, je sais pas. Mais c'est la France, c'est notre pays, on l'aime, donc on fait avec, mais des fois c'est. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je ne vais pas commenter, mais ils sont pas là, ils sont pas là. Je peux juste de plus. 5 matchs, quel premier bilan tu tires de ce début de saison? Plus ou moins bien. Moi, les bilans, je ne les fais pas au bout de mois. On savait qu'on avait un mois de août et un mois de septembre compliqué. Donc déjà, je pense qu'avant de recevoir Monaco, on y verra déjà un peu plus clair après Monaco, avant d'aller avec la trêve et avant d'aller à Reims. Donc voilà, pour l'instant, on est dans le ventre mou du championnat. On a 7 points, 2 victoires, nul, 2 défaites. Bon, voilà, c'est pas sauter sur le plafond, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Voilà, on se contente de ça, et puis le gros bilan, on le fera le 22 décembre, après le match de Brest à la Mosson, et là on verra si on aspire à une place européenne, si on aspire au maintien, si on aspire à jouer dans le ventre mou du championnat, on verra. Pour l'instant, c'est très tôt, et à part Paris qui court pour être champion de France une fois de plus, après on ne peut pas dire qui va faire quoi. Je sais que tu milites pour le nouveau stade, mais depuis le début de la saison, les affluences sont plutôt intéressantes à la Mosson. Est-ce que ça veut dire que le travail que vous avez mis en place aussi porte les fruits, même si on sait que ce stade est plus facile? Non, mais il y a du travail qui est mis en place, mais après, je pense qu'il y a aussi les gens sentent à Montpellier qu'on a investi, qu'on a mis des moyens financiers et qu'on essaye d'avoir une équipe compétitive. Donc, au bout d'un moment, je crois qu'on nous a assez fait le reproche pendant des années où on ne recrutait pas, où on n'investissait pas et où on n'avait pas d'ambition. Là, je pense que depuis 2-3 ans, on montre qu'on recrute, on va, mais on recrute aussi énormément. Donc voilà, c'est qu'on a une ambition d'avoir une équipe qui se maintienne dans les 18 premières places pour essayer de jouer mieux le jour où il y aura un nouveau stade. Pour l'instant, j'essaye de faire du mieux possible avec mes moyens financiers. Pour l'instant, ça va. Sur ce début de saison, vous devez être forcément satisfait de vos recrues? Ah oui, mais pour l'instant tout va bien, comme je dis, ça pourrait être mieux, ça pourrait être bien, mais non, on est satisfait. Après on est satisfait en tant que présent quand on gagne les matchs et qu'en plus il y a du jeu. Donc c'est vrai qu'il y a eu du jeu samedi. Là on attend de voir la confirmation samedi à Marseille. Allez, bon, merci beaucoup, Laurent. Merci, Laurent. Allez.